Shalom, bonjour peuple de Dieu, je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre, c'est moi votre frère, votre connaissance, le prophète Jean-Luc Amaï pour les gens qui me connaissent, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Luc Amaï, je suis le visionnaire de CRL pour dire Christ et réveil et libération dans le monde, je suis un chrétien et serviteur de Dieu. Aujourd'hui, je vais... Tel que le titre de mon message à midi, il est en lingala. Et j'aimerais que certaines personnes comprennent. Par ici, je vais dire quoi? Nini Esengeli, que le président Félix Assala pour la situation de l'Est. Et ce message, il est prophétique. Et la Kolinga Hollanda, et vous pouvez lui permettre qu'il puisse l'écouter aussi. Lisons d'abord un passage biblique. Ézéchiel, verset 2, Ézéchiel chapitre 2, le verset 7. Tu leur diras mes paroles, qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, mais voici devant toi, toi qui es le maître des temps et des circonstances, entre tes saintes mains, Seigneur, je remets ces moments et ces temps. Laisse que ces messages aillent et que soient accompagnés d'actions de grâce au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez tous, aujourd'hui nous sommes les 10, mais depuis le dimanche, il y a eu un bruit sur la toile et sur terrain, des choses que vous allez voir concernant quelque chose. La Bible dit, parle le Fils de l'homme, qui t'écoute ou qui ne t'écoute pas. Toi, fais ton devoir, tu parles seulement. Mon devoir, c'est de parler et que ceux-là qui sont censés écouter, ils ne peuvent qu'écouter. Mais avant que je ne parle, je vais d'abord me permettre de vous rappeler. Je vais vous rappeler des choses que j'avais dit ici, pour que vous ayez l'idée de ce que je vais vous dire. Il y a un message prophétique à donner. Et je vais me permettre de vous rappeler quelque chose. Deux semaines ou une semaine après l'état de siège, au mois de... vers mai, quand ça a voulu commencer, l'état de siège avait voulu commencer. Tout le monde peut se rappeler que j'avais dit que l'Éternel vient de me dire que l'état des sièges est un échec. Et elle sera un échec. Juste quelques jours avant même qu'elle commence, après aussi qu'elle commence, je l'ai dit, que vous allez voir dans les jours à venir, l'Éternel m'a dit que l'état des sièges sera un échec. Et ça fait plus de 6 mois. Et on est en train de vouloir continuer encore. Et vous voyez tous les aspects de l'échec de l'état des sièges. On a attaqué... Pendant l'état de siège, il y a eu des camions de prière, il y a eu un bilan qui faisait état de plus de 600 personnes tuées, il y a eu plusieurs personnes, il y a 2 jours encore, il y a eu des histoires, il y a eu l'insécurité, l'incursion de ces militaires qu'on est en train de dire que ce sont les militaires de M23, il y a eu 2 personnes qui sont en train d'être tuées, il y a eu le militaire rwandais qui sont en train qui était en train de poursuivre les gens vers Kibumba, et pourtant les militaires sont déployés partout en plein état de siège. La ville de Goma était prise en tenaille et la sécurité y était il y a 48 heures. Ça, je ne fais que rappeler aujourd'hui dans les territoires de l'Ituri, il y a des militaires ougandais qui se sont installés. Donc l'état de siège sous sa forme, sur tout ce qu'on peut dire, vous avez compris ce que l'Éternel avait dit. Mais certaines personnes, telles que la Bible dit, qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, parlent. Car c'est une famille des rebelles. Des gens qui se rebellent, pas contre un homme de Dieu, mais contre ce que Dieu est en train de dire. Je vous l'avais dit ici, en 2019. Je vois des islamistes, je l'avais dit,
des gens en train de tirer et de crier à l'arc. Je l'avais dit. Je dis que ce qui est en train de se faire va devenir du terrorisme. Je vois les islamistes. Je l'avais dit en 2019. Et les vidéos et tout existent. Je ne suis qu'en train de rappeler pour que vous compreniez. Entre mars ou avril de cette année, si vous revenez dans les messages, j'avais dit que dans les 6 mois qui sont devant nous, aujourd'hui nous sommes le 10 novembre, je l'avais dit dans les 6 mois qui sont devant nous, si le président de la République et son gouvernement ne vont pas clôturer ce qui s'était convenu avec le M23, notamment les accords qu'ils ont faits à Kampala et à Kigali, en juillet 2019, nous allons encore reparler du M23, ils vont rentrer et les choses vont se compliquer. Je l'avais dit. Alors, je ne fais qu'un rappel pour vous faire comprendre. Depuis que je l'avais dit, le lundi, ici, il y a eu ces fameuses incursions. Mais maintenant, je veux que l'on voit ceci et que l'on parle de quelque chose ici. Nous avons tous vu ces images. Chers amis, vraiment, ça ne va pas à Bounagana. Là, à Bounagana, les gens sont en train de fuir dans le territoire de Kinshasa. Ils sont en train de fuir. Tunakimbia, kuna gisi ya kufanya. C'était le lundi. Banyarwanda banaatake. On disait que basha kamata chanzu, mbuzi, na runyoni. Hivi ndio population yote inakimbia. Mpaka Uganda. C'est dans le territoire de Rutshuru, en plein état de siège. En plein tout ce qu'il peut y avoir, regardez comment les femmes et les enfants sont entrés. Mais quelques jours, le lendemain, hier, je pense, vous avez suivi ceci, j'aimerais que vous le voyez. J'aimerais que vous le voyez, puisque je vais vous dire quelque chose. Et j'aimerais que vous puissiez écouter ce qui va être dit ici. C'est quoi ici? C'est une base des M23 dans le Rutshuru, malgré qu'il y a l'état de siège, mais eux, ils sont là. Et là, c'est un commandement, un poste de leur commandement. Et là, c'est leur porte-parole qui veut parler à propos de ce qu'on a dit, que les M23 vont... Et les M23, ce sont eux qui ont fait ça. De l'armée révolutionnaire congolaise en sigle ARC. L'armée révolutionnaire congolaise en sigle ARC réagit aux propos outrecuidants de certaines personnes sur des réseaux sociaux et de FRDC en date du 8 novembre, accusant l'ARC de perpétrer les attaques contre les FRDC, principalement à Tchanzu et à Runyoni. Et aussi, spéculation que l'ARC serait venu du Rwanda ou de l'Ouganda. Primo, à ce qui concerne les attaques de Tchanzu et de Runyoni, l'armée révolutionnaire congolaise tient à préciser qu'elle n'est impliquée ni de près ni de loin à ces attaques. Par contre, ici est de vous signaler que depuis 2017 jusqu'au mois d'octobre 2021, nous subissons les attaques répétées des éléments de FRDC sur nos positions. Secondo, en ce qui concerne les allégations de provenance de l'Ouganda ou du Rwanda, nous tenons de vous préciser avec exactitude que c'est faux et archi-faux. Car nul ignore que l'armée révolutionnaire congolaise a quitté l'Ouganda en date du 14 janvier 2017. Pour rentrer dans notre pays où nous sommes basés dans les territoires de Rutshuru, comme le président du M23 Bertrand Bisimwa l'a souvent martelé dans ses communiqués, y compris les récentes mises au point du 8 novembre 2021. Fait à Sarambwe le 9 novembre 2021 par le major Wilingoma, porte-parole de l'armée révolutionnaire congolaise en sigle ARC. Voici mon contact. Voilà, vous venez de suivre avec moi le porte-parole des ARC, comme ils appellent l'armée, la branche militaire du M23.
Ils disent que ce ne sont pas eux qui ont commis ces attaques-là et ça ne les concerne pas. J'ai suivi et j'ai lu sur un tweet du... avant ceci, j'avais lu un document, un communiqué de presse signé par Bertrand Bissimois, qui est le président du M23. Et après, il y a eu aussi un autre communiqué du bishop Runiga, qui était en train aussi de dire qu'eux, ils ne sont pas concernés par ces choses, puisqu'ils ne font que se rallier sur les accords qu'il y a eu en 2017 et sorry, en 2019 avec le gouvernement de Kinshasa. Mais alors, qui ont alors exactement attaqué et qu'est-ce qui s'est passé? Puisque tous les dénis, bon, pourquoi d'abord, il faudrait que les gens comprennent. Pourquoi il y a deux signatures? Puisque il y a une fissure dans M23, il y a deux tendances dans M23. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a deux tendances dans M23. Avec les effets, c'est une longue histoire, mais avec ce qui s'était passé avec Terminator, c'est-à-dire le général Bosco Ntaganda, lorsqu'il avait été arrêté, il y a eu division, il y a eu deux parties. Il y a une partie qui était pro lui et une autre qui n'était pas pro lui. C'est ainsi que Berton Bissimois et les autres sont partis avec le général Makenga et ils ont fui vers l'Ouganda. Et une autre partie est partie avec le bishop Jean-Marie Rudiga. Mais dans tout ça, quand même, ils essaient un peu de coordonner. Donc c'est pourquoi il y a eu des pro-parler à Kampala, il y a aussi des pro-parler à Kigali pour la même cause. Mais le problème, c'est que le gouvernement de Kinshasa les avait promis qu'ils devaient les rapatrier. Et on avait signé tout ça, tout ça. Mais tous les accords, là je parle, je donne la partie de l'analyse de la situation. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que ces gens-là, on dit qu'ils ont attaqué, et après on dit que ce n'est pas eux. Et on vient de nous dire que les FARDC ont récupéré les positions. Je l'avais dit à quelqu'un, le lundi soir, je l'avais dit qu'il n'y aura pas offensif des M23. Il m'a posé la question pourquoi. J'ai dit, je sais ce que je vous dis. Et je sais ce qu'ils sont en train de faire. Puisque quand on a commencé à parler de ça, le dimanche, moi je dis à quelqu'un, ça ne sent pas, quand vous me dites qu'il y a Aminova, il y a Asake et ceci, pour ceux qui connaissent la dynamique, et celui qui maîtrise la réalité, j'ai dit cette signature n'est pas la signature d'un petit, c'est la signature de grand. Et j'avais dit que c'est la ligne de stratégie de M23 ou ex-CNDP ou tout ça. Quand ils veulent attaquer, ils vous étouffent. Ils essaient de vous couper de toutes les entrées et de vous couper de tous les endroits de ravitaillement pour permettre à ce que vous soyez concentrés et qu'ils compressent toute la réalité à l'intérieur pour ainsi permettre un boom. C'est une stratégie militaire. Peut-être vous ne comprenez pas ce que je dis. Mais j'avance. Alors, quand c'est le lundi, quand il y a eu ces choses, moi j'ai dit, ces gens ne vont pas avancer. Pourquoi? Je dis, je vois ça en esprit et je vous dis ce qui va se passer. Ils vont stopper. Je l'ai dit à quelqu'un, peut-être, puisque je ne l'avais pas dit ouvertement, devant tout le monde, mais je l'ai dit à quelqu'un. Ce qui va se passer, c'est quoi? Ils stoppent. Pourquoi ils stoppent? Puisqu'ils ont voulu juste bouger et rappeler au gouvernement de Kinshasa, nous sommes là, vous avez parlé avec nous, mais vous nous avez laissés. Et surtout que ce sont des hommes et des militaires qui ont des armes. Vous les laissez avec des armes concentrées quelque part, vous leur promettez des choses que vous ne faites pas. Kinshasa les avait promis qu'il va les rapatrier, Kinshasa les avait promis de les réinsérer. Depuis, l'ANR n'a jamais sorti un document officiel disant qu'ils sont qu'il n'y a plus aucune poursuite sur le territoire congolais pour eux. Ils ne sont pas libres de mouvement. Il n'y a pas tout ceci. Et leur branche militaire doit avoir doit être intégrée, réinsérée, déployée, émitée et aussi avoir quoi faire. Les branches politiques, il doit y avoir des postes à Kinshasa pour eux. Tout le monde, pour le moment, le gouvernement est saturé. Peut-être qu'il n'y a pas de la place pour eux. Donc, si on doit refaire revenir le M23, on doit reconfigurer le gouvernement. On doit aussi peut-être changer certaines personnes ou augmenter la taille du gouvernement pour donner des positions à X et à Y. Et aussi, n'oubliez pas que les justes là, les provinces sont encore sous ceci et cela, donc ils auront aussi droit à certaines provinces et tout ça. Et toutes ces choses-là, discutées dans les clauses,
ne sont pas exécutés. Et comme ils ne sont pas exécutés, c'est depuis 2019 qu'ils en ont parlé. Ils ont promis, vous vous rappelez, lors de l'avènement de l'Union sacrée, il y avait un communiqué de Bishop Runiga que j'avais lu, où il disait, c'était publié, où il disait qu'ils appuient, ils ont fait même une vidéo, qu'ils appuyaient les efforts de l'Union sacrée. Et ils étaient derrière cela, vision. Mais l'Union sacrée, depuis lors, on n'a plus parlé, on s'est tu. Écoutez, je suis en train de parler comme un homme de Dieu et comme un analyste à la fois. Alors, ne venez, il y a des gens qui vont commencer à dire, tu es politicien, tu es ceci, tu es cela. On n'a jamais dit que puisqu'on est homme de Dieu, c'est qu'on est ignorant, ou bien on n'a pas étudié, ou même on n'a pas les yeux, on ne sait même pas comprendre. L'accusation principale sur Jésus-Christ était que celui-ci est le roi des Juifs. Ce n'était pas de la religion, ça. Quand on parle du roi, on ne parle pas de la religion. On parle de la politique. Alors, quelqu'un va me dire, non, il est politicien ou consort ou consort. Je suis en train de faire d'abord l'analyse et vous donner la partie de la prophétie. Ça, c'est une analyse. Et après, je vais vous donner le message prophétique. Alors, tous ces accords tenus, les signatures faites, les garçons sont restés en stand-by et ils sont en train d'attendre, mais vous ne leur bougez pas. Vous déployez les gens à gauche comme à droite. C'est pourquoi ils ont fait ça. Et après, eux-mêmes, ils ont fait ça. Et après, ils disent au FRDC, ok, reprenez vos positions. Ils retournent. Mais avez-vous entendu quelque part qu'ils étaient combattis? Ils n'avaient pas combattu. Ils n'ont pas fait la guerre. On peut dire tout ce qu'on peut dire. Mais moi, je vous dis la vérité et la réalité, c'est ça. Alors, le problème aujourd'hui, il reste tout entre les mains de Kinshasa. Mais de la manière dont je connais la lanterne et la réalité, puisque l'histoire de chez nous se répète, de la machine à Kinshasa, ils vont encore faire semblant. Ils vont encore faire semblant. Et prochainement, maintenant les garçons vont revenir en force. Et quand ils vont prendre une grande ville, ils vont tomber sur Goma, sur Bukavu, sur ceci. C'est tout le monde qui va commencer à crier maintenant, sauvons les Congos, sauvons les Congos. Puisqu'ils veulent arriver à un temps où ils veulent récupérer la situation et gagner l'argent. Voilà un peu ce que je veux vous faire comprendre. Alors, il y a quelque chose que j'ai vu. Et j'étais en train de me poser la question, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de voir? Qu'est-ce que tu es en train de me montrer? Je vois un cantonnement des militaires. Mais ce cantonnement des militaires avait une tenue verte qui n'était pas exactement comme la tenue de la FRDC. Et ils étaient dans la brousse, ce n'était pas dans la route principale, c'était dans la brousse comme dans un camp, mais pas un camp normal, c'est comme dans une brousse, un camp, quelque chose comme ça. Et après, on les a dit, il y a un officier qui vient. Et tout le monde s'est tenu debout. Et quand je vois cet officier qui entre là-bas, je vois c'est Tango Fort, communément appelé Amizikumba Tango Fort, le ministre. Il est le chef d'état-major général chargé, je pense, de la force terrestre. Vous les connaissez. Et je le vois venir aller directement commencer à parler avec l'image de la personne que j'ai vue. C'est l'image à la fois de quelqu'un qui est de CNDP et quelqu'un qui est du M23. Et lui, il vient pour parler avec eux, mais je n'ai pas vu comment leur discussion avait abouti. Ça, c'est la vision que j'ai. Et j'ai compris que ces garçons-là vont surgir encore. Quand je parle des garçons, je parle de troupes, de militaires. Ils vont encore surgir. Et le gouvernement congolais va mandater la personne de Tango Fort. Là, c'est la vision et à la fois la recommandation. Ils vont mandater Tango Fort pour aller discuter avec eux, mais leur discussion ne va pas bien aboutir. J'ai craint. Il faudrait que l'on prie le Seigneur que lorsqu'il va y avoir des négociations entre eux, qu'ils négocient bien. Mais je vais aussi vous faire à la fois un conseil. Le message dit quoi? Le message dit que le mouvement de ces communément appelés rebelles, on les appelle rebelles puisqu'ils ne sont pas réguliers, ils vont surgir encore, ils vont se regrouper et être quelque part où ils auront des positions assises, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, ils vont chauffer, ils vont prendre de l'ampleur, ils vont prendre une place. Kinshasa ne vient que négocier souvent quand de grandes agglomérations sont prises. Mais quand quelque chose commence, ils négligent. Ce sont des foulards, ce sont des ceci, ce sont cela. Mais quand les gens sont en train de fuir et mourir, on ne tient pas compte de ça.
Mais quand ça devient chaud, c'est à ce moment-là qu'il monte. Et pour cette négociation, la personne habilitée à les faire, c'est Tango Fort. Mais là, je vais ajouter quelque chose. Faites un effort associé des hommes de Dieu. Et pas n'importe lesquels. Faites un effort associé des hommes de Dieu et pas n'importe lesquels. Faites un effort associé, j'insiste, les hommes de Dieu et pas n'importe lesquels. Pas les hommes de Dieu tendanciers, pas les hommes de Dieu. Je sais que pour des missions de négociation, on ne va jamais gratuitement, on paye. Mais ne cherchez pas ceux qui privilégient d'abord ça, mais les gens qui ont l'esprit de la paix. Alors, je suis en train de vous dire, Nini et Sengeli Félix à ça. Je vous avais dit très bien depuis le début. Spirituellement, Félix n'a pas les capacités de finir la situation de l'Est. Mais Dieu, par sa grâce, lui fera grâce et faveur pour atténuer d'abord un premier temps. Puisque ce n'est pas à Félix la mission de finir cela. Mais Dieu m'avait donné deux choses que Félix devra faire. Deux choses. Dites à Félix ceci, s'il est possible. Que moi, le prophète Jean-Luc, je lui dis ceci. De la part du Seigneur. Qu'il m'écoute ou qu'il ne m'écoute pas, Dieu a dit que je le dise. Il y a deux choses qu'il doit faire. Mais l'Éternel ne m'a pas permis de les dire publiquement. Mais si cela arrivait, que je le lui dise, c'est la seule. Je ne le dirai ni à son conseiller, ni à un envoyé spécial, ni à qui que ce soit. Mais je fais ma part juste, on m'a dit de dire. On m'a dit deux choses qu'il faudrait que Félix fasse, et ça va l'aider pour cette situation. Je pense que la situation de l'Est, elle est l'une des casse-têtes pour toi, comme ça a toujours été. Mais je sais que les politiciens, d'une manière ou d'une autre, ils vont à en exploiter. Comment ? On peut laisser cette situation comme ça, avec les états de siège, et au moment des élections, on va dire non, il n'y a pas moyen que les gens qui sont dans les sécurités, dans la zone de l'Est, puissent voter. Et d'ailleurs, vu les sentiments négatifs de la population de l'Est vis-à-vis du pouvoir en place et vis-à-vis du président actuel, donc il peut profiter de ça, il laisse cette situation comme ça, que ça reste comme ça pour lui permettre que lorsqu'on va faire des élections, au moins on va soustraire cette partie du pays pour que cela évite qu'il ne puisse avoir des gens qui vont dire non, non, non à lui. Donc, c'est déjà un bon calcul pour lui. Et de deux, vous savez déjà avec les sentiments anti par rapport à l'arrestation des caméras, ça influence aussi. Mais aussi, on peut laisser cette situation et chercher à ce qu'on libère caméras pour que caméras fasse ensemble, qu'on fasse un deal pour faire une sensibilisation. Et tout ça pour jouer aux élections de 2023, ce sont des calculs politiciens. Mais là aussi, je te dis, ce que moi, le Seigneur m'a dit que tu peux faire, si tu le faisais aussi, pas si tu le faisais, si, et je le mets au conditionnel, si tu acceptais de m'écouter et l'appliquer, ça pourra aider à rétablir cette situation momentanément. Tu auras une solution momentanée qui va permettre l'adoucissement de certaines choses. Mais si pas ça, je l'ai toujours dit et je vais encore vous rappeler en 2023. Je ne suis pas en train d'être content lorsque les gens sont en train de mourir. C'est pourquoi je l'ai dit ouvertement. Aujourd'hui, pour la première fois, je dis ce que Dieu m'a dit, moi. Aujourd'hui, pour la première fois, je réfère à moi. Mais chaque fois quand je dis qu'on cherche les hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, je réfère à moi puisque cette situation, elle est inquiétante. Et le Seigneur m'a donné les deux bonne solution, deux solutions. Mais je ne peux les dire à personne d'autre, à part lui-même. Et c'est lui-même qui est censé les mettre en application. Puisque si on les dit à d'autres personnes, on ne sait pas qui est qui et qui fait quoi dans quoi. Voilà. Alors, si, monsieur le président, vous pouvez m'écouter, gloire au Seigneur, mes coordonnées, mes contacts ont toujours été là. Je n'ai pas besoin d'une audience dans votre bureau ovale. Je n'ai pas besoin d'une audience privée. Ça dépend. Mais mon contact est là. C'est le +46 73 95 76 742. Si vous ne pouvez pas croire, monsieur le président, essayez de revenir sur tout ce que le Seigneur a permis sortant de ma bouche que je dise. Vous allez comprendre la véracité et la sincérité.
Et j'ai toujours dit et j'ai toujours annoncé les choses. Je l'ai dit par rapport à la paix pour mon peuple et pour le pays que nous aimons tous et que vous aimez aussi. Mais je sais que, vu l'état d'esprit de beaucoup de gens qui vous entourent, qui ne sont que des personnes lucratives et qui n'ont que des esprits qui sont contraires à l'esprit du Seigneur, ils feront tout, que vous ne puissiez ni écouter, ni suivre, ni comprendre. Essayez un peu de sortir dans la logique des personnes influentes que vous connaissez. Il y a des personnes moins influentes que vous connaissez. Il y a des personnes moins influentes que vous ne côtoyez pas, mais qui détiennent des choses si importantes. Je vous avais dit, dans l'un de mes messages récemment, j'ai dit, je vous vois troublé. Vous serez troublé. Je parlais de la situation de votre couple avant que cela n'arrive. En 2018, j'avais parlé du messier le pilote. Le message est là. Le messier le pilote, les gens le savent. Ils savent de quoi je parle. Quand j'ai dit que je vois le nouveau chef qui va diriger le pays, Dieu me montre que ça sera un très, très, très mauvais pilote. Il va piloter très mal l'avion en 2018. Donc, je l'ai dit juste par référence. Monsieur le Président, je peux vous être in aide par rapport à cette situation, mais en une seule condition. Je me rappelle que j'avais aussi demandé que l'Éternel m'avait dit, mais parlant du président, de rencontrer le président et sa maman. Et depuis que je l'avais dit, je continue à le dire et à insister. Dieu veut que je vous parle, vous et votre mère. Vous et votre mère. Prochainement, peut-être, cette sagesse, Dieu ne va pas la permettre. Je vais dire des choses dont tout le monde pourra peut-être me jeter une pierre, mais je suis un prophète. Et je dirai quand Dieu me dira ce que Dieu me dit. Que Dieu vous bénisse pour tout celui qui a écouté et tous ceux qui ont compris. Donc, Kinshasa, allez chercher les garçons, réintégrez-les et finissez cette histoire. Sinon, ils vont ressurgir et quand ils vont encore ressurgir, vous allez dire vous ce que vous ne comprenez pas. L'état des sièges ne va rien résoudre. Écoutez ce que dit l'Éternel. La solution, ce n'est pas l'état des sièges. Politiquement, vous faites votre volonté, mais il y a des choses aussi à faire. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis connecté tout le mardi et samedi à partir de 20h. Et je vous invite le samedi à 10h pour la prière live. Et après, le soir à 20h pour les enseignements. N'oubliez pas que l'année prochaine, au mois d'août, nous allons aussi nous rencontrer pour la croisière. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée. Shalom. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Amani sur la chaîne La Vérité du ministère Christ, Réveil et Libération dans le monde. Shalom.